Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Skyrim, ici Youp à l'appareil. Et on va finir aujourd'hui ce petit donjon, cette petite grotte, la terre des chutes tourmentées, voir où tout ça nous mène. Je vous dis à tout de suite et c'est parti. Ah, il y a un truc là. Oh, merde. Fallait que je trouve la bonne combinaison, où est-ce que je peux trouver ça? Ça doit être écrit quelque part. Comme d'habitude, comme l'autre. Mais où? Telle est la question. Dans l'autre salle, ou alors dans une des affiches qu'il y a là. Qui sait, pas moi en tout cas. On va fouiller ça. On va essayer de voir si on pourrait trouver un indice quelque part. Quoi? C'est moi qui fais du bruit comme ça. C'est moi qui fais du bruit comme ça. J'ai dû manquer un détail quelque part. Ça va pas ça. Ça va pas ça. Mince alors! Là, il y a trois harpies. Hein. Merde. Où est-ce que je peux trouver ça? C'est quoi? C'est un hibou et deux trucs comme ça. Tiens, je peux le désactiver, non? Si je... Excellent! Peut-être que c'était avant. Je vais vérifier ça. Fait, bien fait. J'ai dû manquer quelque chose. Je viens de là, non? Temple des chutes tourmentées, ouais, je viens de là. C'est dans le temple? Non. Non, je crois pas, hein. Merde à la fin. Mince alors! J'ai raté quelque chose. Mais où? Wow! La fuite! Hop là! Easy, c'est bon, tranquille. Tranquille! Emile, prendre! Ça, c'est un truc de résistance à la glace. Okay. Bonjour. Alors. Où est-ce que ça peut bien être? J'hésite à tous les tester, juste comme ça on verra bien, mais en même temps c'est pas terrible comme ça. Pas mal de possibilités et il y a forcément moyen de trouver une information quelque part. C'est ça qui me perturbe. Mais où? Attends. Non, ça c'est la tête du... Ah, fuck me. J'étais pratiquement sûr que c'était sur les fresques sur les côtés, là, mais... Pas d'information. Que faire? C'était évident dans l'autre, mais dans celui-là, ça ne l'est pas. Pas tant que ça, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les papillons sur celui-là. Peut-être que c'est ça, hein. Là, il y a des papillons. On a quoi là? Un oiseau. Ouais. Alors, il y en a 4, alors c'est pas logique. Là, on a quoi ici? Lumière, sûr. Ça ressemble à quoi? Un hibou. Papillon, oiseau, hibou. Et là, il y a rien. Et on a quoi là? Un ours? Ça, papillon, y a pas un oiseau? Non, y a qu'un ours, un hibou, c'est ça? Non, c'était pas ça. Fuck, ça se trouve, ça c'est un. Ouais, je pense que c'est pratiquement sûr que c'était sur les fraises. Bon, ouais, écoute, on va tout essayer. Et puis voilà. Hein. Alors, on va commencer par le hibou. Hibou, ours hibou. Non, c'est pas ça. Hibou, papillon hibou. Non plus. Hibou. Je pense pas que ce soit ça. Nope. Après on va passer donc. Ah. Hibou, ours, hibou. Non. Hibou.
papillon hibou. Vous savez quoi, je pense que je vais avancer cette scène jusqu'au moment où je vais y arriver. Ah mais c'est bon. Ah mais nickel. C'est bon. Bon, je suis arrivé, voilà, j'ai avancé la scène jusqu'à ce que je sois arrivé. Au final, c'était quoi? Hibou, ours, papillon? C'est comme ça? Non, hibou, papillon, ours, je crois. Je sais pas. Oh bah nice! Parfait! Comme quoi la chance des fois, ça paye. Ah! La souris. Cassez-vous. Rien dedans. Mm-hmm. Et là où il y a rien. Saute. Putain, mais des fois je suis bloqué sur les murets comme ça, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Rien du tout. Je vais ça pour rien. C'est génial. Wow. Méga sanctuaire. Et ce c'est. Dis donc. Je pense que je vais attaquer à un moment donné. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Sortez de ce temple. Tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Mot de puissance appris. Force déferlement. Trouvez le secret des tertres de chute pour monter. Trouvez le propriétaire de la guilde. Terminé. Stylé. J'ai pris un mot de puissance. Et lui aussi, il a plein de vie, c'est ça? Tu n'auras rien sur l'eau. Wow! Il me fait lui. Ah pas quoi. Ouf, quoi. Je lui disais que j'étais sûr que j'allais me faire attaquer par un gardien. C'est sûr ça. Hey, allô. On va mourir. Là t'es mort. Pierre du dragon. C'est non. Je vois rien mais. Bouclier de fer. Or. Farine d'os. Valeur 126. Je pense. Et je pourrais éventuellement prendre ça. Parce que je pense que j'ai bientôt terminé. En fait. Ce petit donjon. On va juste voir ce qu'il y a dans les coffres. Récupérer des gemmes. Des potions de frénésie. Casque de fer. Fous rodin. On prend. On prend et on prend. Et voilà. Excellent. Bon, il faut que j'aille par là, j'imagine. C'est si, ça me demande si je peux faire un truc ici. Lire ou je fais quoi, non, ça c'est tout seul. Parce que je suis l'enfant du dragon. Tu veux pas sauter de nous? Non. Non. J'aime pas trop les raccourcis, tout ça, c'est pas ton truc. Pas ton machin. Tant pis. Tant pis pour toi. Et activer la poignée. Très bien. C'est bon. Continuons, continuons. Et sortons donc de cette grotte. Ah, avant de descendre, attends un peu. Hein. D'abord, tu visites où pour que tu puisses pas remonter. Ce serait quand même con. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Des bottes en peau? Qu'est-ce que je fous de descendre? Sérieux. Prendre. Lit de cime rouge. Vert, jaune, bleu. Crâne. On prend tout. On respecte rien, on s'en bat les couilles. On est les explorateurs de merde. Et on se casse. En même temps, moi je suis pas un explorateur, hein. Je suis juste un mec qui était là en mode « Ouais, salut, j'ai vu un dragon !» Et voilà quoi, c'est tout. Arrêtez de me prendre la tête, bordel. Bon. Donc, maintenant qu'on est là, il faut qu'on... Quoi? On retourne à l'intérieur, non? Ah non, faut qu'on aille là-bas. On va pas se faire chier, on va se téléporter direct. Ou alors je vais vendre des trucs à l'autre, là. Arrive bois. Ouais, vas-y, je vais passer là d'abord. Yes. Passer là et vendre ce que j'ai. Au cas où il me donne des trucs pour avoir fini la mission. On va aller voir l'autre mec qui était là-haut, je crois. Si je me souviens bien. Non, je me souviens pas bien. Oh putain, il se portait tout seul, c'est un malade. Enfin, ça dans la vraie vie, ça tombe dessus, mec. Ça tombe dessus, pas bien. Pas bien du tout. Ah non, il était là. Salut gros. C'est comme tu veux. T'allais
pas mettre le feu, d'accord ? Vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Regardez donc. Plutôt moi, qu'est-ce que j'ai à te vendre, l'ami ? Youp. Hop. Mais qu'est-ce que quoi ? Regardez donc. Oui, regardez donc, oui. Arme. Voilà, tout ça, je vais te le vendre, mec. De ouf. Hop, 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 hop. On se fait des thunes. Attends, on en a plein, des trucs comme ça. Le marchand n'a que 0 or. Ah, mais il a plus de sous. Ah, merde, c'est con, ça. Ah, j'avais encore plein de trucs à te vendre, mec. J'avais pas vu que ça avait une valeur de 5, de 100, ça. Non, les crochets, je les garde. Bon, bah, j'ai pris tout son or, je suis désolé, gros. Mais ce qui fait que maintenant j'ai plein de sous, non ? Éventuellement. 1720 ! C'est stylé ça, non ? Bon, j'ai pas mal de place pour récupérer tout ce que j'ai récupéré, donc. Allons à Fort Dragon. Et allons dire au monsieur que j'ai trouvé sa gemme. Salut ! Attention aux flammes ! Oui, ça va. Bon, je range ça. Allô. Très bien, très bien, très bien. Alors. Où es-tu, l'ami ? Là-bas, comme d'hab. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Mm-hmm. Il doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Parfait. Le temps passe, Farangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, bah laissez-le un peu. Ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. T'inquiète, mec. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est un truc. Ouais, bon, on verra plus tard. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Et non, je suis quelqu'un de spécial. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Cool. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, ouais. Vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Ok, c'est cool. Moi, je veux juste récupérer mon truc. Bravo. Il est où le Jarl ? Farangar. Ah ben. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Quoi ? Un dragon ? Vous devriez venir aussi. Ouais, vas-y, je viens. Dragon. Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blanche Rive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Mais si ! Allons-y. Ne t'inquiétez pas, je suis là. Allons-y ! Pourquoi tant d'empressement ? Le Jarl ! Pas maintenant ! Quoi, pas maintenant ? Mais si, maintenant. Ainsi, Rillette, vous venez de la tour de Gay West ? Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé, au sujet du dragon. Alors, vas-y, dis tout. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la tour de guet ? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Kirillet, ouais. Vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Ok, allons-y. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Ouais. Je veux que vous alliez aider Rillet à combattre ce dragon. Ok. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Oui, enfin, je me suis juste enfui, quoi. Je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Acheter une propriété dans la ville ? Vous également c'est génial. Ce cadeau venant de mon personnel. Ma propre maison. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres.
Eh, vous aurez quelqu'un. Dernière chose, Irilet. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. T'as pas l'air. T'as pas l'air de ce genre-là, quand même. Moi, j'aimerais bien passer par l'armurerie. Je... dragon de près, comme je vous envie. Ouais, allons-y. Merci, gros. Ouais. Allez, hop, on y va. On perd pas de temps. Moi, je veux voir le dragon aussi. Youhou, les dragons. On est content. Content. Je suis presque niveau 3, d'ailleurs. Prendre ça. Elle est où, cet abruti? Elle est pas sortie encore. Une blague. Vas-y, sors. T'attends quoi? Ah bah... Allez, gosse. Renchi. Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchand. J'ai besoin d'expérience si je veux avoir un projet. On raconte qu'Elgen a été attaqué par un dragon. Ouais. J'ai mis des semaines à découvrir le univers de Raleigh. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Pas plus que je ne peux aller chercher un peu tout seul. Plein de quêtes secondaires, j'entends. Des gens qui pouvaient me donner des trucs éventuellement. Il faudrait que je trouve des quêtes qui ont rapport avec la magie. Peut-être que je me renseignerai sur quelle est la meilleure chose à faire pour les Bretons. Plutôt que d'essayer par moi-même. Je sais pas. Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Vous êtes des gardes ? À 4, on va acheter un dragon. On va tuer un dragon. Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanchetrie. Enfin, quand je vois tes troupes, meuf, ça... Comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ouais. Le dragon menace nos maisons. Vas-y, dis-leur. Vas-y. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Merci de dire oui à votre place. Hein. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez, c'est le premier dragon aperçu en porte-ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Ouais. Alors qu'en dites-vous? Youpi. Allons-nous mettre Youpi. Le dragon au menu de ce soir? Ouais. Bien dit. Yaha. Voilà. Allons-y maintenant. C'est bon, c'est perdu de temps. De toute façon, eux, c'est pas comme s'il y avait une quelconque utilité. 4 gardes de porte contre un dragon, qu'est-ce que t'espérais en même temps? On t'y va? Ou j'y vais à ta place? J'y vais à ta place. Compagnon remonte aux 500 compagnons d'Easy Grammar. Qui est Easy Grammar? On va savoir. Allons-y! Ah, récolter des signes, trucs. Hey, on ramasse des trucs. Ouais, moi je me dis que tout sert dans ce jeu. Peut-être pas tout pour les mages, mais on sait jamais. Ça se trouve, vu que je peux tout faire. Si je peux vraiment tout faire et qu'à la fin du jeu je peux avoir toutes les compétences, être un guerrier, un mage, plus un archer, un voleur et tout, c'est pas, je pense qu'il est. Je sais pas s'il y a une limite au niveau des niveaux, si on peut tous les avoir là-dessus. Bon, jusqu'au niveau 372 mais. Putain, qu'est-ce que t'es lente, meuf. Oh là là. Toi le Kaji. Yo. Allons-y. Nous devons atteindre la tour de Gay West avant qu'il ne soit trop tard. Bah, je suis d'accord avec toi, meuf. Mais toi, tu me suis ou je te suis ou comment on fait? Je vous souhaite la bienvenue à vous. Merci. Par où tu passes, meuf? Perdu dans ta vie. Bah écoute, je vais y aller avant toi. C'est beaucoup trop lent pour moi. Moi je m'en fous, sans... Ah mais c'est là-bas. Ça va, c'est pas trop loin. Tan 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 tan. Yo. Allez. Là, tu mets 10 ans. Avance un peu, il y a un putain de dragon, meuf. Juste tu cours comme des vieilles qui font
pour la course à pied marche rapide. T'as une guerrière, une vieille de l'ancien. Nouveau temps reconsidéré. Comme signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que vu les flammes, ça ne m'étonnerait pas. Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Ok. Allons-y. Finally. Tour de Gay West, nouvelle découverte. Je peux pas gagner un niveau en même temps, je vais faire. Oui, un survivant. Salut gros. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Il a chopé Thor. C'est un bonhomme ce dragon. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le revoilà. Où est-il? Que fait-il? Il est là. Salut buddy. C'est comme tu veux. La vie, tout ça. Lui, le dragon. Bah, moi je veux bien, mais. Comment faire si tu me dis? Déjà, je vais descendre. Hop. 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 J'avais oublié à quel point les mortels se divertissent. Ah, oui? Moi, je vais me divertir avec toi aussi, tu vois. Mais ici, il est où ce coup? Il est là. Vas-y. C'est là. Oh bien, t'as peur de moi, c'est ça? Mais j'ai rien avec ce. De façon en mode combat. Tiens, prends-toi les flammes dans ta gueule. Mirmulni. Mon dieu, mais quel combat compliqué. Quel mauvais chef. Oula. Ça me brûle. Wow, je vais crever. Ok, le combat est plus compliqué. Nous allons tout simplement nous régénérer tranquillement, voilà. On va partir en courant. Alors mec, Mirmulnir de mes deux là. Hein. Wow. Oula. Je crois que j'ai me faire toucher mais pas ça. Waouh, j'ai passé derrière toi. Allez. Non, reviens ici. On n'est pas fini avec toi, salopio. Mirmulni, jeté dans ma ligne de mire. Non, tu m'auras pas. Putain, mais je m'enflamme tout ça parce que je marche dans les. Putain de fou. N'importe quoi. Pourquoi je brûle? Une lag. Ah, oh, mais d'où ça me touche ça? C'est une lag. Reviens ici, enfin! Je vais prendre un arc et je vais t'attaquer à l'arc. C'est pas bien. J'ai un mage, mais il va pas me faire chier. Quoi. Il va m'attaquer là, je le sens. Il va revenir, il va faire. Ouais, c'est ça. Ah, je peux le toucher de là? C'est bon? Reviens ici! Arrête de fuir! Ils ont des putains d'humains, qu'est-ce que t'as à perdre, mec? T'es un putain de dragon. Je ne vois pas, je suis caché. Je suis caché. Aïe. Ne meurs pas garçon. Ne meurs pas garçon. Il était temps que je fasse 5, au sens que j'en ai que 2. Ok, très bien. Je vais crever. Je me sens mal cette affaire. Ah oui! Ah oui, très bien! Ah oui, très bien, d'accord, ok. Bon, bah. Je sais pas qui pouvait faire ça, il m'a carrément chopé avec sa bouche. Il m'a envoyé dans les valseuses, comme on dit. Comme on dit chez nous. C'est terrible. Putain, je l'avais presque en plus. Bon, là, c'est pas vraiment une question de skill comme dans. Quoi, je reviens de là? C'est une blague! Mais non, aujourd'hui, tu as regardé, je suis trop con, putain. Ah, je suis sûr que j'ai même pas récupéré ça. Putain, quel bolos. C'est la tristesse. Bon. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Allez, on y va direct. On
On perd pas de temps. Hop là. Cours, Forest, cours. Arrête de bloquer sur des putains de mini-marches là. C'est quoi ce délire? Va sauter quand je cours. Bon, c'était plus loin normalement. Avec lui, non. Avec elle plutôt. Parce que n'oublions pas, je suis une meuf. YOLO! Est-ce que tu crois que si je vais dans la tour, je peux éventuellement avancer un petit peu? Oui, lui il va sortir du coup. Salut gros. Non, retournez-y. Il est toujours ici quelque part. Il vient d'attraper Thor. Ok, essayez de s'enfuir. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. Le voilà. Cette fois-ci, je t'aurai, salaud. Il est où? Il est arrivé par là-bas, non, la fois. Non, il est là. Wow, wow, passons en mode combat. Hop. Où es-tu? Saloperie de dragon. Cette fois-ci, je vais t'avoir. Mon salaud. Alors, je laisse les autres t'avoir. Bon choix. Vas-y, viens. Ah oui, il est là-bas. Il est aveugle ou quoi? Il va marcher. Ne me dis pas qu'il va marcher. Si, quoi. Il sert à quoi, gros? Là-bas. Ah mais d'accord, il allait attaquer là-bas parce que les gens sont là-bas. Je crois qu'ils m'ont trouvé ou pas. Il est tout seul, tous les autres. Qu'est-ce qui se passe dans cette fille? Je comprends pas tout. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Non, aïe, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Wow. Allô. Mais pourquoi t'es tout seul toi? Ils sont les autres? C'est-à-dire que je dois me le taper tout seul, c'est ça? Blague. Je dis pas qu'il va venir pour moi. Mais si. Il va m'attaquer. Tel, non. Aïe. Ah. Un salaud. Vite. Putain, je vais mettre 10 ans, sérieux, comme ça. Ils sont passés où, les autres? C'est où, la meuf, là, qui lançait des éclairs tout à l'heure? Ça me faisait bien mal, ça. Toi, tu te calmes. Hein. Oui, bah oui, j'aimerais bien. Ouais. Non, il vient pour moi. Il vient pour moi. Ah, ah, la fuite. Ah. Voilà, parfait. Mais moi, si on a la condition, après, je pourrais faire quelque chose. Combien on va en perdre? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux éventuellement. Vas-y là! Reviens ici. J'ai crevé moi. Je le sens. Gros comme un camion. Non, 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 c'est un mauvais plan ça. Voilà, il va se faire comme ça là. Allô. Du coup je t'aurai un petit à petit. Hein. Tu sais ça. Tu sais ça. Tu veux vraiment vivre, attaque moi plutôt. Pas plus de chou. Fred, Mjolnir. Merde dans la pose, je pense. Ok, j'ai un bref. Ah, je survis. Il me chope, il doit me choper. Je le sens, il va me choper. Je le sens. Il s'approche vers moi de manière beaucoup trop. Ah. À qui fera le plus gros sort de feu? À moi. Allô. Fred. J'ai plus de mana. Ah, il est mort. C'est long.
Allez gros. Oh comment je t'ai tué, oh là là. D'où? Tout ça. Bon, on te récupère de toute façon. Hop. J'ai plein de place dans mon inventaire, c'est parfait. Ouh, bon, ben parfait. Mais voilà. Sur cette mort de dragon insane. Wow, 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 qu'est-ce que c'est? Ah, lui aussi me donne... Oui, les gars. Je suis un enfant de dragon. Oh, il a un beau squelette, quand même. Utilisez le section pli de mes magies pour vous équiper du déferlement. Magie. Pli. Déferlement. W pour lancer un cri. Pousse. Pousse. Oh. Ta. Hé. Je connais. Hein. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Et ouais, ma gueule. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. J'ai rien demandé, mais oui, en effet, ce que j'ai fait, oui. Je pense que vous avez peut-être raison. Oui, je le pense. Vous pouvez crier. Pas très sûr de l'autre d'elle, quand même. Cela signifie qu'une chose. Seulement. Vous devez être un enfant de dragon. Tu dis, Bali. De quoi parle-t-on? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Bref, du coup, maintenant qu'on a tué ce dragon, je vais m'arrêter ici. Et la prochaine étape sera d'informer le Jarl Balgruuf et de lui dire « Salut, je suis un enfant de dragon, je peux tous vous sauver si vous le voulez. » Et voilà, ce sera beau. Je serai un héros, j'en ai mettre. Enfin bref, du coup, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour la suite de ces magnifiques aventures. Allez, salut!